Droite. 18h37, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Le débat ne s'est pas arrêté pendant la pub, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Ils sont tous en très grande forme. On est avec Aliquilino Morel, Vincent Hervouet, Joseph Massescaron, Geoffroy Lejeune et Éric Revel. On va écouter Emmanuel Macron, parce que j'ai été assez frappée par les propos qu'il a tenus hier à la mi-journée devant 700 cadres de la haute administration. Le thème, c'était la simplification administrative. Il sait que les Français n'en peuvent plus de ces complications administratives. Et il a prononcé ces paroles que je trouve assez surprenante. Il a dit, il a pointé du doigt la défiance générale des Français face à la parole d'en haut, celle donc qu'il incarne. Écoutez-le. On ne nous fait plus de chèque en blanc. Ça vaut pour moi comme pour vous. Les gens n'ont plus confiance dans la parole. Ils ont un peu plus confiance dans la parole de proximité que dans la parole d'en haut, parce qu'ils connaissent. Et encore, il viendra un jour où ils n'auront plus confiance dans aucune parole. Et donc, vraiment, notre travail, c'est que l'acte suive le plus rapidement possible la parole et qu'il soit cohérent. Voilà, viendra un jour où ils n'auront plus confiance en aucune parole. Vincent Hervouette. Alors, et après, je vous passerai la parole à Aliquilino Morel, parce que c'est quand même stupéfiant. Bah, il incarne la parole du public. À la fin aussi, à force, le président fait un discours toutes les semaines, plus ou moins solennel. Il y a d'autres extraits qu'on va écouter après. Mais c'est quoi? C'est un aveu d'impuissance, Aliquilino Morel, pour vous? C'est un aveu d'impuissance, mais cet aveu me paraît, comment vous dire, insuffisant. Mm-hmm. Mais parce que ce n'est pas la parole qui est mise en cause par les citoyens, c'est l'action politique elle-même. Mais comment en serait-il autrement? Cela fait 40 ans qu'on offre, je dis on, les responsables politiques dont j'ai pu faire partie à un moment donné, le spectacle, non seulement de l'impuissance publique, mais désormais de la théorisation de cette impuissance publique. C'est-à-dire nous ne pouvons pas agir parce que nous avons en réalité concédé telle ou telle partie de notre pouvoir à telle instance européenne, à telle instance du droit. Et donc, nous ne pouvons pas faire ce que nos paroles vous disent, c'est-à-dire des promesses, des engagements, des vœux, une volonté d'agir. Il n'y a pas la capacité. Et ça, les Français, les citoyens le savent parfaitement. Ils l'ont compris au cours de ces dernières décennies. Et ils savent très bien qu'aujourd'hui, le président de la République parle, il dit cela, mais lui-même il ne peut pas embrayer sur le. Et quand il dit qu'il y a un jour, ils ne croiront plus aucune parole, c'est-à-dire qu'il préfigure l'ère Marine Le Pen, c'est ça pour vous? Pas forcément. Je pense même que dans son esprit, il va peut-être plus loin. Il pense peut-être qu'un jour, même la parole de Marine Le Pen, si jamais elle accédait à l'Élysée, elle ne fonctionnera plus parce que pour d'autres raisons, d'accord, il imagine qu'elle non plus ne pourra pas agir. Mais après, on écoute un autre extrait d'Emmanuel Macron. Allez-y. Très bien, c'est Joseph. Ouais, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Emmanuel Macron parce que moi, je crois, je ne suis certainement pas le seul, à la puissance de la parole. Le problème n'est pas la parole, le problème est le vide. C'est-à-dire que quand votre parole n'est qu'un emballage et qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Mais rien, c'est-à-dire c'est le vide du vide. À ce moment-là, oui, la parole n'a plus de valeur. Alors, Éric Revel. Pour moi, c'est un double aveu d'impuissance qu'a fait Emmanuel Macron hier, parce que vous l'avez rappelé, il est devant des hauts fonctionnaires pour leur demander une simplification. Vous avez vu dans cette interview de Bruno Le Maire qu'il faut absolument relire dans Le Monde, très longue interview. Mais il dit quoi dedans? Alors, il dit à propos de la simplification, il dit des choses surprenantes sur plein de domaines. Mais sur la simplification, il dit dorénavant, il y aura plus de documents CERFA. Vous savez, documents CERFA. Et en fait, pourquoi c'est un double, à mon avis, aveu d'impuissance? Ouais. Parce qu'en fait, le chef de l'État, il vient à Canossa devant les hauts fonctionnaires en leur disant, s'il vous plaît, je parle peut-être beaucoup trop, chers amis, mais j'ai besoin de vous pour qu'on passe à l'action. Et en fait, il est en train de demander aux hauts fonctionnaires ce soir-là, s'il vous plaît, essayez de mettre en musique ce que j'ai promis aux Français. Alors écoutez, juste le deuxième extrait, et après je vous passe la parole. Il parle de maltraitance administrative. C'est-à-dire, il estime que ses concitoyens sont soumis à une maltraitance de son administration. Écoutez-le. Si on habitue nos propres agents à passer leur journée à remplir des circulaires, du contrôle de gestion, des choses impossibles, on conditionne nos agents à faire la même chose avec les usagers. Il y a une forme de maltraitance administrative collective que nous nous infligeons à nous-mêmes. Mais je le dis vraiment avec beaucoup de sérieux parce que j'ai pu le constater sur le terrain. Et donc, nous avons collectivement créé une forme d'absurdité du quotidien avec les meilleures intentions du monde à chaque étage. Est-ce qu'on imagine comment les Français reçoivent ça, Aliquilino Morel, qui sont confrontés tous les jours à l'administration? On peut l'imaginer, mais je voudrais revenir un instant sur ce qu'a dit. Oui, mais quand même, là, sur ce qu'a dit Emmanuel Macron. Ça, c'est bien sûr qu'on peut l'imaginer, mais on peut comprendre que les gens, mais ils le savent déjà. On n'agit pas, on n'a pas la capacité d'agir, on a peut-être encore, Joseph Massescaron le veut, le proclame, on va lui accorder ce crédit.
que le verbe a encore un effet. Ah oui. Oui, mais comme vous le disiez, si ce verbe est suivi de rien, du vide, c'est le désespoir. Oui. Mais donc, si on y ajoute à cela, et ça va ensemble, la bureaucratie, parce que la bureaucratie ne prend de l'espace et du pouvoir que lorsque la politique le lui cède. Mmh. Bon, oui. Et c'est ça que je voulais corriger légèrement, si Éric Revel me le permet. Il a dit que c'était beaucoup trop gentil que le président de la République s'adressait devant aux fonctionnaires de l'État. Ce n'est pas ce qui est écrit sur son pupitre. Son petit pupitre. Il y a écrit les cadres dirigeants de l'État. Oui. Mais quand vous vous adressez aux gens qui incarnent normalement la puissance publique, comme vous adresseriez, il n'y a aucun mépris là-dedans, à des cadres d'entreprise, vous faites la même confusion, vous installez la même confusion que quand vous décrivez la gouvernance d'un pays et non le gouvernement de celui-ci. C'est-à-dire que vous installez dans l'esprit des gens l'idée qu'il n'y a plus de pouvoir politique. Je crois le jeune, pas tous en même temps. Moi, il y a une fable qui m'agace un peu dans l'entourage d'Emmanuel Macron, c'est celle qui consisterait à dire que le président de la République est un Gulliver enchaîné qui devrait se battre toute la journée contre une administration ultra-normatrice. Tous les présidents disent ça en même temps. Absolument, donc déjà, c'est pas nouveau. Et ensuite, il y a certains moments des 7 années de mandat d'Emmanuel Macron où presque on a vu que quand il est presque 8 ou quand il est livré à lui-même, il peut être parfaitement normatif lui aussi. Par exemple, la gestion du Covid avec les injonctions en permanence, parfois même contradictoires, etc. La folie absolue tout à coup qui consistait à penser qu'il fallait boire un verre debout, mais pas être plus d'un certain nombre dans une. Ça, c'est lui qui l'a inventé en Conseil de défense. Mmh. C'est pas des gens qui ont conduit des normes complètement idiotes. C'est vraiment son pouvoir seul, sans parlement, sans personne en face pour s'y opposer. Je prends un deuxième exemple par rapport à la crédibilité de la parole publique. Il a promis à notre ami Louis de Ragnel en 2019 qu'il y aurait 100% d'exécution des OQTF à la fin de son premier mandat, c'est-à-dire en 2022. On était à 6 à la fin de son mandat. Il a demandé à son ministre de l'Intérieur de faire une loi récemment là qui n'a a priori n'améliorera pas beaucoup, en tout cas ne tendra pas vers les 100%, parce qu'au lieu de réduire le nombre de recours, il les a rassemblés, on est passé de 12 à 4 par catégorie 3, enfin je vous épargne le oui, parce que c'est pas le débat du jour, mais ça fait partie des impuissances administratives. Quand il a le choix, parfois il crée la même usine, les mêmes usines à gaz. Et sur la crédibilité de la parole publique, il a été, moi je trouve qu'il y a une forme d'ironie dans sa déclaration, la première qu'on a écoutée, il a été élu en promettant justement qu'il allait résoudre ce problème d'absence de crédit de la parole publique, et la vérité c'est que pardon, mais si les gens ont cessé d'y croire, c'est aussi parce que on verra ce qui se passe si Marine Le Pen est élue, et est-ce que la crédibilité de la parole publique va être dévaluée. Mais lui, c'était censé être celui qui allait régler le problème de la parole publique. Moi, je suis pas dans les clivages stériles, je suis pas dans la droite ou la gauche, je suis dans l'efficacité uniquement, etc. On a vu, et il dit toujours tout et son contraire. Pardon. Ouais, on est d'accord. Vincent Herouet. Non, mais ça, c'est une réalité très prosaïque. C'est que la question de la crédibilité va pas de pair avec le en même temps. Le oui, bien sûr, mais c'est la meilleure façon de ruiner toute crédibilité, que ce soit dans le discours public ou dans le discours privé. Je t'aime, oui, mais ça marche pas non plus. Donc le en même temps est un problème. Le deuxième problème, c'est que quand même, moi, il serait ça des hauts fonctionnaires. Alors je suis bien d'accord que la gouvernance, c'est pas le gouvernement. Qu'on ne gouverne pas des hommes comme on gère une boîte. Ça, tout ça est vrai. Il n'empêche que en France, ce qui fonctionne à peu près encore, c'est la fonction publique. Et quand le président dit « moi je suis allé sur le terrain et j'ai vu » parce qu'il a croisé 3 agriculteurs qui lui ont expliqué que tous les soirs ils devaient passer 1h30 à faire leur rapport, leurs actions au quotidien qu'ils ont eues dans leur champ, etc. Il se moque du monde parce que les gens en face de lui dans l'administration territoriale ou dans la préfectorale savent, connaissent le réel aussi. Hein, ils sont enchaînés par l'accumulation des mêmes règles, des mêmes lois. Franchement, si un type qui a fait l'ENA, qui a après travaillé dans la banque, ne sait pas faire fonctionner le machin... C'est qu'on est mal. C'est vraiment... Même ça, c'est à désespérer, quoi. J'aimerais juste qu'on avance en parlant de ce qui se passe à Sciences Po. Vous connaissez Sciences Po à Aquiline Morel, vous en avez été l'un des élèves, j'imagine, évidemment. Il y a trop longtemps. Il y a longtemps. Aujourd'hui, le Premier ministre Gabriel Attal s'est rendu sur place après ce qui s'est passé il y a quelques heures. Cet amphithéâtre principal qui avait été complètement bloqué par des étudiants pro-palestiniens. Il a été rebaptisé Gaza, cet amphithéâtre. Gabriel Attal s'est rendu sur place. Il a annoncé que le gouvernement va saisir la justice, qu'il va y avoir la nomination d'un administrateur provisoire avec un changement de logique et une mise dans le contrat d'objectif de la future direction, le respect des valeurs de la République et de la liberté d'expression. Je rappelle qu'à l'occasion de ce mouvement, une jeune femme, une étudiante, avait été exfiltrée parce que les autres lui avaient dit « c'est une sioniste, sortez-la, Éric Revel ». Donc là, il y a quand même une action du Premier ministre. Alors,
tout à l'heure, je citais le président de la République qui avait réagi après le Conseil des ministres en disant que ses propos sont intolérables et il faut maintenant que cette école arrête avec le séparatisme. Bon, alors, si vraiment il y a cette volonté-là, à la fois pour le nouveau directeur qui va être nommé, puisque là on parle d'une nouvelle logique, hein, c'est ce que vous dites. Une nouvelle logique, bon, ce qu'il a dit. Et peut-être que Sciences Po, j'allais dire, est rattrapable. Mais comment s'étonner quand on voit le prisme intellectuel à sens unique, idéologique, de la plupart des étudiants de Sciences Po, qu'on ait ensuite, pardonnez-moi, je vais faire un peu caricatural pour faire réagir mes voisins, mais comment s'étonner que le Conseil d'État prenne des décisions comme il les prend à l'emporte-pièce sur des sujets, à mon avis, qui ne sont pas les siens. Et c'est très logique ce qui est en train de se passer, en fait. Ces gens qui sont une partie de l'élite française accèdent aux grandes institutions françaises et donc mènent l'idéologie qu'ils ont développé là où ils ont été enseignés. Aquilino Morel, là-dessus, sur Sciences Po, la dérive de Sciences Po? Il y a eu plusieurs temps dans ce qu'on peut appeler la dérive de Sciences Po, mais c'est vrai que là, dans les années dernières, il y a évidemment une emprise d'une forme d'intolérance et de pensée plus qu'unique, une pensée monolithique, figée, qui interdit toute autre forme d'expression ou qui la condamne de telle manière à ce que ça revienne au même, c'est-à-dire l'exclusion. De fait, moi, ce qui me surprend dans l'affaire de Sciences Po, en fait, c'est que c'est mis autant de temps à se produire. Quand on connaît... Quoi, cette... la prise de conscience de non, ce qui s'est passé, la prise non de conscience, on va voir ce qui se passe. J'espère que les actions judiciaires seront conduites et qu'un nouveau directeur ou une nouvelle directrice sera nommée qui sera peut-être plus en ligne avec notre tradition républicaine. Non, peut-être. C'est quand vous imaginez le temps qu'il a fallu pour que Sciences Po, qui a toujours revendiqué dans les dernières décennies d'avoir un modèle américain, à l'anglo-saxonne, chercher des fonds privés, développer les étudiants étrangers, etc., etc. Ce qu'on voit là, mais c'est ce qu'on l'a vu il y a 6 mois, avec, à Harvard, à Yale, et dans toutes les grandes universités principales américaines. Ouais. Donc, d'une certaine manière, c'était inévitable que ça se produise chez nous. C'est même assez étonnant qu'il ait fallu autant de mois pour que cette occupation factice... je veux dire factice au sens où ça n'avait aucune réalité politique, de l'amphithéâtre Boutmi par des forces supposées ou se prétendant pro-palestiniennes. Alors ouais. Vincent Hervouet, dernier mot après on parle. Les pauvres Palestiniens, ils sont très loin de... Je trouve que la rue Saint-Guillaume est très loin du champ de bataille, très loin de Gaza. Mais c'est la beauté de la cause palestinienne, c'est qu'elle a justifié les 22 tyrannies qui continuent d'exister au Proche et au Moyen-Orient, et de la même manière, elle justifie, dans le 6e arrondissement, elle permet à tous les antisémites de se soulager. Exactement, vous avez raison.